Éric Andreau, technicien en radiologie depuis plus de 33 ans à l'assistance publique, le candidat biais du Parti ouvrier indépendant et démocratique dans le cadre des élections législatives. Je pense qu'il faut rompre avec la Ve République, avec l'instauration d'une assemblée constituante souveraine qui définira une nouvelle constitution. Et quelles seraient les premières mesures concrètes pour la population là ? D'abroger la loi El Khomri, qui a mobilisé contre elle des millions et des millions dans un passé très récent. Interdiction des licenciements. J'abrogerai bien sûr la loi Touraine et la loi Bachelot. Un retour à la sécurité sociale telle qu'elle était conçue en 1945. Sans sécu, il n'y a pas d'hôpital public, il n'y aura plus d'hôpital public. Arrêt des exonérations patronales qui, depuis des années et des années, sont un manque à gagner dans le budget de la sécurité sociale qui se chiffre en milliards. Renationalisation de tous les grands moyens de production. Énergie, la poste, le transport. Je me prononce également pour un retrait des troupes d'occupation qui ont énormément augmenté ces dernières années avec un budget militaire évidemment qui manque cruellement aux hôpitaux. Alors, l'enseignement, retour des moyens supprimés année après année dans l'enseignement et qui aboutissent à la situation dégradée qu'on connaît actuellement.